Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tour chez Action, voir les arrivages. C'est parti. Alors pour une fois, on va commencer par le make-up. Et là, on a une nouveauté de chez L'Oréal. C'est un rouge à lèvres. Enfin, c'est un baume à lèvres de couleur. Voilà, il y a pas mal de teintes. C'est L'Oréal qui fait ça. Je regarde au niveau de la... Oups, comment on met ça? Alors au niveau de la teinte, il faut regarder là en fait. Là c'est 103, là c'est celle-là, c'est 104. Donc il y a quand même pas mal de teintes. Et le baume à lèvres, hein, le rouge à lèvres est à 2,95€. Alors sinon on a toujours les rouges à lèvres NYX. Pareil, hein, plusieurs teintes, plusieurs couleurs. Vous voyez là on voit du prune. Là c'est plutôt une couleur un peu marron, nude. Là, ouais, là, non, là pour le coup c'est nude et là c'est plutôt marron. 2,49€. Alors samedi, je suis venue, j'ai fait une vidéo et en fait j'avais filmé cette partie là et elle apparaissait pas sur la vidéo. Alors je sais pas, j'étais peut-être en mode pause. Donc voilà, je vous les remontre, hein, c'est ces petits eaux de toilette. C'est un modèle oriental, c'est une Oriental Collection et il y a plusieurs parfums. Donc ça va pas vous parler, mais voilà, Oriental rouge, on voit sensuel, on voit la gamme Gold Paradise, on a celle-ci, c'est éternelle, et celle-ci, Wonder Rose. Alors là, on sent quand même la rose, et celui que j'ai préféré, c'est celui-là en fait. Hein. Mais voilà, c'est une gamme orientale, hein, toute nouvelle. C'est Mashq, la marque c'est Mashq, je ne connais pas du tout, 1,95€ et c'est 100ml. Alors ça c'est une nouveauté de la semaine dernière, ils en ont remis, hein, c'est ces petits coussins, des petits coussins matelas, en fait ils sont capitonnés, donc vous pouvez les utiliser en coussin, mais vous pouvez également les utiliser en galette de chaise, vous voyez, il y a plusieurs couleurs, c'est des... la taille c'est 40 sur 40, donc comme je vous disais, il y a plusieurs couleurs, on a du vert, on a cette couleur là, elle est super jolie, elle est magnifique. C'est en plus c'est satiné, enfin c'est velours, mais c'est un velours brillant. Alors elle est super jolie cette couleur. On a du gris, on a du beige et on a du vert. On a même un bleu, un joli bleu, à 3,99€. Petite nouveauté dans tout ce qui est déco. On a cette petite lampe de table ampoule. Alors elle existe en noir ou en doré. Je vais try me. Voilà, ça donne ça quand c'est allumé. C'est sympa. Moi j'aime beaucoup. Alors ça fonctionne avec quoi? Ça fonctionne avec des piles. Ça fonctionne avec des piles. Bon, c'est vrai que quand ça fonctionne avec des piles, ben, moi j'aime moins. Parce que voilà, il faut à chaque fois acheter des piles. 4,95€, je dis ça parce que j'ai acheté quand même pas mal de choses qui fonctionnent avec des piles, hein, des spots pour les placards. Enfin, j'ai pas mal de choses à la maison qui fonctionnent avec des piles. C'est toujours agaçant quand la pile, ben voilà, faut la changer. Ou alors il faut acheter des piles rechargeables. Ensuite, on a ce modèle-là, lampe de table cylindre en noir. Donc elle fait 22 cm de hauteur et 12 cm de diamètre. Et elle est à 6,49€. Alors ça c'est des magnolias en pot en argent, c'est aussi une petite nouveauté. Donc c'est des petits pots qui font, enfin la plante en tout, je pense que en tout ça fait 23 cm de hauteur et au niveau du diamètre c'est 8 cm. Donc vous voyez, il y en a plusieurs, il y a plusieurs modèles. Donc le pot il est c'est du ciment. Et voilà, le bas, en fait, il est peint en argenté. Voilà, 99 centimes. Alors ça, c'est une nouveauté ici à Crépy. Je les avais vus, hein. Je vous les avais d'ailleurs filmés à Valenciennes. Bah, c'est ces fameux plateaux qui sont super jolis. Donc, ils avaient déjà sorti cette gamme-là, mais avec, vous voyez, miroir sur le fond. Et là c'est du velours, alors ils ont mis velours mais il y a plusieurs couleurs, hein, également, il y a du noir, là je vois beaucoup de noir. Alors déjà au niveau du plateau, il existe soit en noir soit en doré, et franchement en doré il est juste magnifique. Moi je vous ai dit, hein, je les ai pris avec le fond en,
en miroir. Et pareil, elles sont super jolies. Et là, ils le font pareil, deux tailles. Alors, je vois beaucoup de noir. Mais je trouve pas mon fameux... Ah, il y a un joli vert là, vous voyez. Et ils sont... Alors, le grand. Le grand, il fait 2,99€. Et le petit, 1,99€. Donc, voilà, ça vaut vraiment le coup. Et ce genre de plateau, hein, je vous dis, vous pouvez les utiliser vraiment dans n'importe quelle pièce de la maison. Vous pouvez mettre, vous voyez, même vos bijoux. Alors, sur un fond en velours comme ça, ça peut faire super sympa. Ça peut faire un peu ce genre de plateau. Vous voyez, vous mettez vos bijoux, vos montres, hein, si vous en avez plusieurs. Vous pouvez également mettre vos parfums, faire une petite déco, mettre des bougies, etc. Vraiment, vous pouvez le faire comme ça vous plaît. 2,99€ et 1,99€. Alors ça, c'est aussi une nouveauté de la semaine dernière. C'est des porte-manteaux murales. Et voilà, ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez l'utiliser en étagère. Donc y mettre ce que vous voulez, une petite déco, des cadres, une plante, un diffuseur de parfum, enfin vraiment ce que vous voulez. Et puis en bas, vous avez 5 crochets pour accrocher vos manteaux, vos chapeaux, vos écharpes, vos sacs. Donc il existe en bois et en blanc. On retrouve également cette petite table d'appoint, table miroir. Et je vous l'avais déjà montré, mais je vous la remonte parce qu'on en a reçu encore pas mal. Et vous voyez, tout autour en fait de la table, c'est des petits effets pailletés. Vous voyez, un peu comme les miroirs, comme les horloges qu'ils avaient sorties, enfin qu'ils ont sorties, qui sont encore en vente. Ça fait un rappel de ce style-là. 9,95€, donc en hauteur, elle fait 39 cm et le diamètre fait 38. Alors ça, c'est pas une nouveauté, c'est un réassort. C'est un porte-magazine en métal, donc ce genre de déco, hein, peut très bien aller dans des maisons, enfin avec un style un peu industriel ou voilà, un peu vintage. Et vous pouvez aussi le détourner, hein, ce porte-revue, vous pouvez le détourner et l'utiliser de plusieurs façons, hein, vraiment à vous d'avoir un esprit créatif. En plus, il n'est pas cher, je disais, parce qu'il est à 1,99€. Et voilà, en faire vraiment ce que vous voulez, à le mettre dans la chambre. Vous pouvez poser des choses, le mettre même sur un centre de table, pourquoi pas. Mettre des plantes, accrocher des petites choses, là, voyez, avec des petites crochets. Mais vraiment, peut-être le repeindre, hein, si vous aimez pas, hein, le look noir. Et le mettre d'une autre couleur. Donc voilà, il fait 38 sur 33 et 36 en large. Alors là, je vous montre un peu les cadres, hein, et je reviens aussi sur ce que je vous avais présenté, la décoration que j'ai fabriquée avec ces cadres. Donc vous êtes nombreuses à me demander si je pouvais les faire avec d'autres cadres. Mais vous pouvez vraiment le faire avec n'importe quel style de cadre. Et moi, je vous parlais d'un autre cadre que je voyais. Ben moi, je pensais à celles qui veulent quelque chose de plus discret, hein. C'est vrai que vous pouvez le prendre... plus discret, et vous pouvez le prendre aussi d'une autre couleur, un autre coloris. Donc regardez, celui-là, ils sont à 99 centimes, donc ça vous ferait vraiment une déco encore moins chère. Donc il y a plusieurs coloris, je vous montre, hein. Voilà, ce style là vous pouvez le faire avec ce style là et moi j'ai pris ce cadre là il est à 1,89€, mais voilà, avec celui-là à 99 centimes, vous voyez, ça vous ferait une déco à moins de 5€. Donc voilà, et toutes celles qui ne le savent pas, j'ai une deuxième chaîne où je fais pas mal de petites créations, notamment principalement avec des choses de chez Action, donc que je détourne ou que je customise, et voilà, je les présente sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, c'est Création Life. Donc voilà. Alors on va terminer, hein, par le loisir créatif. Et en loisir créatif, on a cette petite feuille. Autocollante, c'est des petits stickers. Alors il y en a 22, il y en a 22, et je regarde en même temps si c'est le bon prix des quotas feuilles autocollantes. C'est 99 centimes. Ouais, ça doit être ça, hein. 99 centimes.
Alors, j'ai trouvé le prix. Alors, en fait, c'est des autocollants en mousse, 22 pièces. Donc, ils sont à 74 centimes. Donc, il y a plusieurs thèmes. À vous de voir ce qui correspond à ce que vous recherchez. Sinon, on a toujours, on a encore pas mal. Vous voyez ces stickers. Je vous les montre souvent. Moi, j'aime beaucoup. Avec, à 79 centimes. Donc, après, il y a des colorés. Donc, moi, j'aime moins. J'aime bien les couleurs unies. On a, voyez, on retrouve ces petites figurines en métal. Alors, il y en a 6. Elles sont super jolies à 99 centimes. On a ces feuilles autocollantes. Alors, ça, c'est super joli. Hein. 79 centimes. Alors, on en a une grande, une moyenne et une petite. Avec 3 imprimés différents à 79. Et on a ça. Pareil, c'est des feuilles autocollantes. Feuilles autocollantes. Hein. Après, vous pouvez, ce qui est bien, c'est que vous pouvez découper vraiment ce que vous voulez, la coller là où vous voulez. Hein. Après, c'est des choses qui se décollent. Donc, sur les vêtements, tout ça, ça va pas. Mais vous voyez, sur une bougie, sur un vase, sur une boîte à chaussures que vous voulez customiser, pourquoi pas. Voilà pour ce qui est de loisirs créatifs. Je suis en train de regarder en même temps si je vois rien de nouveau. Donc voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.